très heureuse de vous accueillir pour cette deuxième édition de ce ciné-club covidien que nous avions entamé il y a un mois, le 13 février. Donc déjà là, un mois de passé. Donc bienvenue donc au ciné-club de l'Observatoire du cinéma du Québec. Des films sur l'art, je retrouve des visages bien connus, d'autres nouveaux, merci d'être là. Bon, alors, un peu de protocole avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet. Donc, cette rencontre, comme vous le savez, est enregistrée, vous êtes enregistrée, va être diffusée sur le canal, donc en direct, sur le canal YouTube de l'OCQ. Puis après, ultérieurement, on va faire un remontage et puis ça va être disponible sur le canal YouTube, donc de l'OCQ. On peut se parler d'ici là par le canal chat et de Zoom et de YouTube. Et puis, notre rencontre devrait durer 90 minutes à peu près. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vous répète aussi l'objectif du Ciné-Club, c'est engendrer, créer un dialogue entre nous tous qui avons différents points de vue par rapport à l'œuvre captée, à l'œuvre d'art mise en mouvement. Donc aujourd'hui, on va visionner un film un peu plus long que la semaine passée. J'avais fait un petit sondage après notre ciné-club le mois passé en demandant si les gens voulaient voir des extraits ou voulaient voir le film au complet. Puis, bon, la majorité disait, on veut voir le film au complet, c'est pour ça qu'on est dans un ciné-club, donc faut être cohérent. Il y en a certains autres qui disent, ouais, mais là, blablabla. Mais moi, je pense que, en fait, c'est ça l'histoire du ciné-club, c'est l'impression, moi, que j'ai eue très rapidement, je ne sais pas si c'est partagé par tous, mais j'avais l'impression d'être au cinéma. Chacun dans notre petite boîte, finalement, dans notre petite boîte zoomienne, on partageait un moment collectif. Puis ça, en fait, j'ai trouvé que c'était peut-être une nouvelle forme du cinéma. Il faudra en parler à André Gaudreau, qui pourra peut-être nous en parler un peu plus. Donc, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Une visite au Louvre, c'est un film du couple de cinéastes Daniel Huillet et Jean-Marie Straub, qui, ma foi, sont des réalisateurs qui ont produit, autoproduit, réalisé des films très divers sur divers sujets, des durées variables, en noir et blanc, en couleur, en Italie, en Allemagne, en France, même en Égypte. Ils travaillent donc, oui, avec la télé, mais ils sont très, très indépendants aussi. Ils ont une vision très indépendante, j'en dirai pas plus parce que je pense que on va pouvoir en parler, vous allez le voir par vous-même. Donc, c'est un film de 45 minutes, filmé en 35 mm. D'après les propos de Cézanne, rapportés par le poète et critique français Joachim Gasquet, qui était un ami de Cézanne et qui était allé se promener au Louvre avec Cézanne et qui avait recueilli ses propos. De là est sorti un livre, il a publié un livre en 1921. Donc, ce qui nous est donné à entendre, c'est la parole de Cézanne, ce qui nous est donné à voir, je pense que c'est le regard des cinéastes. Donc, le lien du film est disponible dans le chat. Cependant, je pense que vous pouvez le regarder avec moi sur ma bande passante parce que les images sont assez fixes. Puis je crois que ça va être suffisamment bon. Mais bref, sinon, vous pouvez aller sur le chat. Sans plus attendre, bonjour Suzanne. Il faut quand même que je signale la présence de la directrice. Et puis, ben voilà. Alors allons-y donc, pour un petit voyage de 45 minutes. Tenez, regardez-moi ça. C'est une idée, c'est tout un peuple. Un moment héroïque dans la vie d'un peuple, mais les étoffes collent, les ailes battent, les seins se gonflent. Je n'ai pas besoin de voir la tête pour imaginer le regard, parce que tout le sang qui fouette, circule, chante dans les jambes, les hanches, tout le corps, il a passé en torrent dans le cerveau, il est monté au cœur, il est en mouvement.
Il est le mouvement de toute la femme, de toute la statue, de toute la Grèce. Quand la tête s'est détachée, allez, le marbre a saigné. C'est ainsi que se termine le film. En fait, lors de sa présentation à la télé, mais au cinéma, ils ont présenté deux fois de suite le même film. Donc, ça avait été, vous pouvez imaginer un peu la réception. Pourquoi? J'ai essayé de trouver le pourquoi de 2 fois 47 minutes. Enfin, c'est pour ça que Arte avait refusé, entre autres, de le prendre. Je vais rouler parce que, à la limite, le ruissellement de l'eau fait du bien après une telle austérité. Donc, quelques informations, en fait, quant au film lui-même. Donc, un minimum de plans, vous avez bien vu. En fait, il y a eu 25 plans, donc dans un film normal, sur l'art surtout, avec les gros plans et tout, ça fait des centaines de plans. Traité seulement de 14 œuvres au Louvre. Et puis, tout a été, l'éclairage était calibré très précisément pour que la lumière et la chaleur de chacune des œuvres qui étaient filmées. Vous aurez vu que ce n'est pas des photos qui étaient plaquées, mais c'était bien une image en continu, l'œuvre qui était filmée en continu, en ralenti, à 6 images par seconde. Et ouais, donc les cadrages étaient très précis. Au milieu, vraiment, c'était calculé au millimètre près pour avoir une vision, pas nécessairement la vision de celui qui regarde au musée. Enfin, c'était pour toujours avoir le même regard de caméra. Sauf la deuxième œuvre de Véronèse, je pense, où là, ils ont décalé le cadrage pour que le hors-champ à gauche soit en fait une espèce de continuité du hors-champ dans le tableau. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette œuvre-là. Alors, je vais arrêter. Ah, ça laisse un peu pantois. C'est excellent. Qu'est-ce que ça dit, Emmanuel? C'est excellent. Tout n'est pas filmé au Louvre. Hein. Il y a des plans qui sont pris à Orsay parce qu'il y a plusieurs toiles qui sont à Orsay. On reconnaît les images. Mais je pense qu'à l'époque de Cézanne... Elles étaient au Louvre, exactement. Donc, mais du coup, ça, c'est assez amusant pour le coup. Moi, je dois avouer que bon, c'est un peu bête à dire, mais je trouvais la personne qui lit le texte insupportable, donc ça m'a vraiment gâché le film, en fait. J'ai déjà eu des films que j'ai aimés parce que la personne qui parlait était vraiment la bien fait. Et là, je trouvais qu'elle était un bon Québécois, très rachante, en fait. Je ne pouvais pas l'écouter, en fait. Elle m'a hérissé. Enfin, voilà. Donc, je ne peux pas dire ce que j'avais pensé. Je trouvais ça assez difficile à supporter, en fait. Bizarre. Ah oui. Ouais. Juste pour cette raison-là, vraiment. Je trouve le texte très intéressant et évidemment, bon, la filmographie est volontairement est très 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 austère. Mais je trouvais que les tons étaient vraiment faux. Quoi. C'était pas du tout. C'était voulu, évidemment. Ouais, je pense, mais bon, ça n'a pas marché pour moi. Je crois que je l'avais vu d'ailleurs déjà il y a des années et ça m'a donc c'est un peu un retour de traumatisme. Je dirais que moi, ça fait plusieurs fois quand même que je le vois, puis j'avoue que la première fois aussi, j'étais... je trouvais qu'elle poussait un peu. Puis finalement, il y a une espèce de...
Il y a l'aridité du sud de la France, là, de Cézanne. Quand on entend cette voix-là qui frotte la matière contre la matière, il y a quelque chose du sable. Quelque part, on saisit aussi Cézanne, le personnage, à travers cette voix de tragédienne, finalement. Bon, Oui, c'est. sauf que pour moi, ça fait faux, en fait. Pourquoi le choix d'une voix féminine alors que c'est Cézanne qui parle? Ça m'a, je ne sais pas si c'est mauvais ou bon, mais ça m'a paru un peu curieux quand même. Je me sentais un peu plus détachée de peut-être du propos de Cézanne, en fait. Pense Oui. que c'est équivalent au type de diction qui est utilisé, qui est une diction très théâtrale, volontairement neutre. Qui en fait met l'accent sur la sonorité du texte et du coup met en avant le texte plutôt que le personnage. Et du coup, je pense que ça a pour effet de faire résonner la langue de Cézanne plutôt que de le dramatiser, de le narrer, etc. Oui, il Même fallait s'il y a pas des retenir. introjections, il y a pas mal d'interpellations, enfin, tout n'est pas neutre hein, dans la lecture, c'est clair. Oui, il Vas-y, fallait pas excuse-moi, Itaï. retenir. J'imagine qu'on a dans 16 ans, à 16 ans, en fait. En fait, On le découvre à la fin, pas. en plus, parce que c'est qu'à la Oui. fin que c'est Cézanne. Au milieu du film, c'est Cézanne, et il dit « j'aimerais bien », mais sinon, on ne sait pas. Parce qu'en fait, moi, je vous l'ai dit pour pas. Pour faciliter le visionnement, peut-être j'aurais pas dû vous le dire, mais on ne l'apprend qu'à la fin. Je suis Cézanne. Ah, c'est intéressant, hein? Ça vous empêchait. Est-ce que quelque part Cézanne nous donne une marche à suivre pour regarder? Est-ce que la cinématographie vous a permis de regarder ou vous a fait en sorte que vous avez eu comme une espèce de distance par rapport aux œuvres qui vous étaient données à voir. Parce qu'en fait, le regard, quand on va au musée, là, on n'est pas comme ça devant une œuvre comme ça immobile, le regard immobile non plus. On regarde, on va ici, on va là, le corps bouge aussi avec l'œuvre. Donc, il y avait quelque chose qui était, certains diront qu'il y avait quelque chose d'anti-film sur l'art dans cette façon de filmer l'œuvre. Il y a un petit aspect diaporama, en fait, qui est anti-film sur l'art, en effet. Ceci dit, la qualité nous empêche peut-être de contempler. Tu as dit que c'était tourné en 35 mm. J'imagine que c'est la reproduction d'un passage par YouTube, etc., qui donnait ce. Ouais, Mais ça j'avoue. tout à l'heure, je suis allé regarder la reproduction de l'enterrement Arnon. En fait, celle qui circule encore aujourd'hui est plus mauvaise que l'image dégradée qu'on vient de voir. Et en plus, c'est clairement une prouesse parce que tel qu'il était accroché encore il y a peu de temps, on avait beaucoup de mal à voir l'enterrement Ornon. Donc, le plan fixe du film était assez bluffant en réalité. Parce que au musée d'Orsay, dans la salle où il était, il y avait un reflet qui le rendait quasi invisible. Mais du coup, je pense que l'image, elle était probablement bluffante dans le film. Je ne mettrais pas ma main coupée, mais je me demanderais. En tout cas, moi, j'ai eu le sentiment de regarder le tableau avec les yeux du peintre, pour le coup. Les tableaux avec plus peut-être que. Enfin, c'est drôle parce que ces textes, on les connaît bien. Hein. Ils sont souvent cités par extrait pour la peinture du 19e. Et ils résonnent. J'ai trouvé qu'ils résonnaient fortement avec le film. J'avais jamais vu le film. Donc, notamment sur Les Noces de Cana, je crois que ça fonctionne, la didactique de la lecture de l'œuvre qu'offre Cézanne. Sauf avec la voix de Julie Coltaï. Moi, j'ai plutôt aimé ça. On est deux. On est deux, oui. Non, bah moi, pour répondre à la question, je trouvais que la manière de regarder les œuvres était plutôt. Vous vous souvenez la dernière fois, on a critiqué les films qui bougeaient sans arrêt, qui inventaient des choses qui n'étaient pas là. Là, on avait les œuvres devant, on les regardait. Là, c'était. Très bien de ce point de vue-là. Donc vraiment, ma critique est vraiment très concentrée sur la voix. Donc, Tu veux faire comme Duras, tu veux retourner le film avec une autre voix pour voir ce que ça fait?
Il pourrait être pas mal, en fait. C'est une bonne idée. Est-ce que tu veux peut-être faire la lecture On pourrait faire un remake, ouais. Moi, je ferais celui qui pose les questions. Là, accent québécois, accent israélien. Mais pour vous, est-ce que c'est avec un musique, film sur sans musique. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir vu un film sur l'art? Ou est-ce que vous avez vu un film plutôt de cinéaste? C'est quoi que vous avez vu, en fait? Est-ce que c'est une archive audiovisuelle, audio, parce qu'on lit, on lit quand même le texte, on entend en fait un texte lu qui, comme vous le dites, est une référence en histoire de l'art? Pour le cinéma, c'est complètement inhabituel pour moi, parce que mais je n'ai peut-être pas de culture cinématographique suffisante, mais pour le théâtre, clairement, ça correspond à ce qu'on fait, à une lecture théâtralisée ou à quelque chose qui est assez classique en réalité quand on s'approprie des textes anciens et qu'on les dit. Ah oui, donc ça serait plus de l'ordre du théâtre, c'est intéressant ça. Et la conjonction des trois éléments, hein, c'est-à-dire les œuvres, la mise en parole du texte et le cinéma, du coup, fait que je ne suis pas capable de répondre à ta question. Mais... Moi non plus. En tout cas, quand je l'ai montré à quelqu'un qui collectionne les œuvres, comme je vous l'ai dit, il m'a dit, mais c'est pas un film sur l'art, ça. Un film sur l'art, ça doit porter justement, ça doit se servir de l'appareillage cinématographique pour regarder l'œuvre autrement. Donc, le zoom sur un détail qui, à ce moment-là, est commenté. Il y a comme une espèce de processus, une idée peut-être préconçue du film sur l'art. Peut-être, t'es pas d'accord? Non, ben je suis d'accord avec ce que tu dis. C'est une idée préconçue qui est très problématique. Ça fait un peu le film standard de 50 minutes qu'on voit sur Arte. Mais on peut avoir d'autres types de films sur l'art. Je pense que c'est carrément un film sur l'art. C'est le sujet du film, clairement, la peinture. C'est pas un film qui réfléchit beaucoup sur le cinéma, d'ailleurs, finalement. Ça, c'est marrant d'ailleurs, parce que D'Albera dit ça dans l'article qu'il a écrit, là, j'ai parcouru rapidement. Et en fait, il apparaît dans les crédits du film aussi. Alors, D'Albera, c'est un spécialiste du cinéma qui s'intéressait au film, en rapport entre le film et la peinture. Dans les crédits, il y a Fleischer avec le Frénois. Et Dominique Paigny. Ouais, et c'est intéressant ça. Parce que ça dit beaucoup aussi d'une part de l'ambition expérimentale du film, je pense. Mais par contre, D'Albera, qu'est-ce qu'il vient faire là? Tu peux mettre la référence dans le chat, Manu? Oui, je vais te le mettre. Ou enfin, quelqu'un. Je vais vous le mettre. Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, D'Albera? C'était ça ta question? Oui, parce qu'il a produit, il a participé à la réalisation du film d'une manière. Ouais, ben, D'Albera, c'est bizarre après qu'il écrive dessus sans le dire d'ailleurs. Il a écrit plusieurs, ouais, il a écrit, je pense, deux articles sur le couple Willestrom et je pense qu'il est très proche de leur travail. Et c'est intéressant parce que Dominique Paigny, qui était l'ancien directeur de la Cinémathèque de France, puis aussi qui travaillait très étroitement aussi avec Fleischer, pour lui, ce n'est pas un film sur l'art, c'est un film de cinéaste. Pour le simple parce que il filme l'œuvre dans le cadre dans le mais en fait ils font un anti film sur l'art, je l'ai dit tout à l'heure, mais une anti visite d'un musée. Dans un film sur l'art, quand on va dans un musée, il y a le statement, donc on rentre dans telle salle où on va voir telle œuvre ou telle, tandis que là, il nous offre, ou bien il y a le point de vue du spectateur, ou, tandis que là, c'est l'œuvre dans le musée, mais qui n'est pas vraiment dans le musée. On nous donne un point de vue d'une œuvre qui est celle qui est voulue par les cinéastes. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, le Tintoret, qui était très, très haut, ben, ils ont été obligés de créer un échafaudage pour être capable de filmer dans le même angle que toutes les autres œuvres qui sont représentées. Donc, il y a un travail de cinéaste qui est derrière ça. Alors que dans le film sur l'art, ben, la caméra est beaucoup plus soumise à l'œuvre, souvent. C'est drôle. Moi, je dirais le contraire. Je dirais que c'est un film anti-cinéma, en fait, plutôt.
qui fait presque pas usage de tout ce qu'on voit dans un film normal, entre guillemets, alors qu'au contraire, c'est une visite au musée tout à fait... on voit des peintures et quelqu'un parle dessus. C'est comme... c'est beaucoup plus un film sur l'art qu'un film de cinéma, je pense. Bon, et en plus, c'est bizarre parce que... En creux, ça devient, pardon, une expérimentation de cinéma assez intéressante, mais voilà, à la base, c'est le contraire. Le fait d'avoir fait une lumière, d'avoir choisi, privilégié une lumière artificielle pour filmer les œuvres est assez bizarre aussi, parce que du coup, tu pourrais mettre un plan fixe sur l'œuvre et puis voir la lumière changer, précisément. Oui. Et, ils ont complètement neutralisé cette partie-là. C'est très étrange, parce que du coup, filmer en continu avec une image qui n'a aucune modulation, ça n'a a priori aucun intérêt, sauf le fait de le faire. Mais... Oui, mais ça, c'est une méthode... des réalisateurs, c'est-à-dire que les Straub, le couple Straub, avait déjà fait un film en 1989 sur Cézanne, avec les mots de Cézanne encore par Joachim. On dit Joachim ou Jachin? Joachim? Gasquet, pardon. Et puis, c'est pour ça que ça avait été très mal reçu, parce que là, il poussait encore plus Mémé dans les orties. Il n'y avait pas juste la voix qui était comme dérangeante, mais il y avait aussi des archives dont on ne comprenait pas la provenance, et puis qui vraiment étaient... Mais déjà là, il faisait des longs plans et des longs noirs aussi. Là, on en a eu deux, mais j'ai vu le Cézanne. Il y a 7 noirs de plusieurs secondes, voire presque plusieurs minutes. Donc, il faut vraiment faut s'attacher. Donc, c'est une approche cinématographique. L'écriture cinématographique n'est pas si neutre. Hein, parce que, par exemple, à la fin, le noir... comment ? Par exemple, il parle du tableau de Courbet d'après. Il parle d'Ornans. Il est encore sur la forêt. Habituellement, les plans sont séquencés. Il utilise le noir, souvent, pour isoler. Mais il y a, j'imagine, des chevauchements entre le texte, ce qu'il montre, et les noirs qui glissent et qui doivent varier tout au long du film. Ça serait intéressant de regarder en notant exactement ce qui se passe. Parce que quand il décrit le ciel et qu'on est dans la forêt, il n'y a pas de ciel. Donc, c'est complètement incongru. Là, on rentre dans l'imaginaire de ce qu'on imagine de Courbet ou de ce qu'on se rappelle. Et pourquoi la forêt à la fin, vous avez une idée? Ça m'a étonné un peu. Parce qu'en fait, il ne parlait plus de la forêt, on n'est plus dans le rut. Bonne question. Pourquoi est-ce que tu cherches autant de cohérence, Emmanuel? Parce qu'il y a un choix. Ben, précisément, il y a un choix. Mais je me demande pourquoi. C'est ça, faire du cinéma, non? Ah, mais c'est clair, mais bon, je pense que c'est normal aussi de se demander. Moi, je trouve qu'il y a du cinéma là-dedans, précisément. Ça m'a rappelé les vidéos expérimentales qu'on faisait dans les années 80, tu vois. Mais tu vas constater que c'est arbitraire, à la limite. Oui, clairement. C'est intéressant, je pense. Subjectif. Ouais, mais tu vois, le plan intermédiaire de l'autre côté, il n'était pas si neutre, parce que lui, il était au Louvre. Oui. Il était de la galerie, probablement de la galerie du bord de l'eau, avec une vue sur la Seine. Tu peux toujours être dans la peau du spectateur qui ne sait pas ça. Oui. Oui. Mais quand même. Ben non, quand même pas. Bon, on sait qu'on est à Paris quand même. Ouais, on voit Paris, on reconnaît Paris. Et puis mais on sait qui est on, là. C'est qui, à qui s'adressait ce film-là? Ouais, ça c'est... qui va regarder ça deux fois de suite? Pas Itaï, en tout cas. Les spectateurs de ce réalisateur-là connaissent Paris, je pense. Mais, comment tu dis, Itaï? Qu'est-ce que tu as dit, Itaï? Que les spectateurs du film reconnaissent Paris. Moi, je l'aurais bien regardé deux fois de suite. Hein. Moi, je le regarderais deux fois de suite sans problème. Ouais. Est-ce que vous connaissiez le travail de Daniel Huillet et Jean-Marie Storm? Pas du tout. Aucun d'entre vous. Hein. Ça m'a donné envie de regarder. Ah, c'est extraordinaire ce qu'ils font, mais c'est ça. C'est,
c'est prenant, ça nous demande un engagement. Tu sais, c'est pas un film facile à recevoir. En fait, on peut pas le recevoir, faut se donner à ce film-là. Mais je pense qu'on le connaît pas pour la simple raison que, la petite histoire, c'est que Straub a commencé à travailler avec la Nouvelle Vague, puis quand la guerre d'Algérie est arrivée, il a été enrôlé, et puis il a déserté, parce qu'il trouvait que ça n'avait pas de bon sens. Et puis évidemment, quand tu désertes, tu ne peux pas rester en France. Donc, il est allé en Allemagne. Et donc, on sait bien que ce qui se fait en Allemagne ne traverse pas nécessairement la frontière, surtout en cinéma. Donc, ils ont vraiment développé leur art de ce côté-là. Après, ils sont allés en Italie. Cela dit, ils sont très connus en France pour les cinéphiles, en fait. Vraiment, oui. On entend beaucoup parler d'eux. Ouais. Surtout quand ils étaient vivants tous les deux, mais moi je suis tombé sur leurs films souvent quand même en France, donc c'est pas des... En fait, c'est un peu du Richter cinématographique, du coup. Ça ne vous fait pas penser à ça? Mais encore! Ouais, quand même. Je sais pas, il y a un rapport à l'image, à la manière dont l'image passe à travers des médiums. Tu vois, je pense aux photographies peintes, au traitement complètement abstrait et en même temps ultra réaliste. Il y a quelque chose de ça, je trouve, dans la manière dont ils abordent le matériau qu'ils filment. Voilà ton prochain livre. Mon sujet. En tout cas, J'étais vraiment, en fait, j'avais hâte de vous montrer ça parce que j'avais hâte de voir. Je savais que ça créerait des flamèches un peu parce que c'est pas... Puis toi, Suzanne, ça t'a fait penser à quel autre film, tu dis, au film expérimental? Mais... Oh, rien de particulier, comme j'ai dit, au film, aux vidéos expérimentales qu'on faisait dans les années 80. Oui. Moi, j'ai trouvé ça très années 80, vous voyez. Puis, ouais. Je suis pas étonnée qu'il ait été du côté de la Nouvelle Vague non plus. Là, c'est, puis, précisément, l'idée de chercher une cohérence là, est peut-être un peu awkward, tu vois, parce que... Ouais. Joël, qui a un regard cinématographique, est-ce que tu es là? Je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Ouais, oui, je suis là. Écoute... Je l'ai écouté à moitié, ça m'a perdu, puis malheureusement, j'étais en train de faire d'autres choses. Là. J'avais beaucoup de choses à faire, mais je voulais être présent quand même. Mais je veux dire, tout ce que vous avez dit, ça me semble très valable. Je veux dire, c'est tellement subjectif. C'est qui veut l'écouter, ça s'adresse à qui, c'est qui vraiment le public qui va être intéressé par ça. Je saurais dire, est-ce qu'il y avait une approche cinématographique? Je pense qu'il y a toujours une approche cinématographique, peu importe le style. Alors, il y a des choix qui ont été faits, qui sont très, très rigides, c'est clair, mais c'est pour nous diriger dans un certain sens. Ça nous permet de faire une certaine lecture, c'est clair, mais ça ne va pas accrocher tout le monde, ça ne va pas accrocher toutes les générations, ça c'est clair. T'as le but. Qu'est-ce que tu veux dire par génération, Joël? Ben, écoute, c'est quand même... C'est de quelle année, ce film-là? 2003. Mm-hmm. OK. Tu vois, en l'écoutant, j'avais l'impression d'écouter un film des années 60. Je pense que... Ouais. Pourtant, c'est du grand Arte, ça. Ça aurait pu être sur Arte, c'est bizarre. Hein. Ah, mais je ne vais pas dire que c'est du grand ou pas grand. C'est pas dans ce sens-là. C'est toute l'approche. Mais écoute, il y avait une approche esthétique autant au niveau du son, au niveau de la façon que c'est dicté, que c'est énoncé. Qui renvoie vraiment en arrière, à mon sens. Mais il y a une raison pour laquelle c'est fait, évidemment. C'est mon approche de la chose. Dans le Cézanne de 1989, qui voudrait que vous, en fait, ceux qui s'intéressent, vous devriez le voir, il est disponible à la bibliothèque. J'ai pas réussi à le trouver. Ils font référence à des tragédies grecques. Donc, en allemand. Donc là, on voit le film en français, puis là, tu as un gros chunk de 7 minutes de tragédie grecque qui est filmé par eux dans un film qu'ils ont fait avant. C'est donc, effectivement, si tu n'as pas certaines connaissances de pouvoir identifier de quelle tragédie on parle, moi je ne l'avais pas en tout cas, puis on l'apprend à la fin.
en fait, on l'apprend surtout en lisant sur le film. C'est un film, en fait, c'est un film d'intellectuel. Puis là, ben, j'ai devant moi des profs d'université, puis il faut vraiment être de cet acabit-là. Effectivement, c'est pas pour tout le monde. Puis d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Arte l'a refusé, surtout en 2003, alors qu'Arte faisait un tournant vers une programmation un peu moins intellectuelle. Oui, c'est le moment où il commençait à virer de bord. Culturel, hein? C'est le moment où il commençait à virer de bord. Oui. Tout à fait. Puis ça, pour ceux que, je ne sais pas si vous connaissez tous Arte TV, comme, parce que c'est vraiment une chaîne européenne, franco-allemande, mais dans les années, au départ, ça a commencé avec la 7, et ensuite Arte, qui s'est spécialisée en fait, dans la diffusion de programmes culturels très exigeants, parce que souvent, en plus, c'était en VO, les publications, les diffusions étaient en VO, avec des thémas qui passaient, couvraient la soirée entière sur une thématique et une sélection d'œuvres. Et c'était la joie totale d'avoir une télévision comme ça pendant des années. Puis en fait, autour du début des années, milieu de la première décennie des années 2000, ça a commencé à se dégrader avec une volonté de démocratisation culturelle, de la traduction et du doublage. C'était avant la télévision numérique, donc du coup, il n'y avait pas la possibilité de diffuser sur plusieurs canaux. En fait, c'est même pas ça, c'est plus que ça, c'est la notion de culture qui a changé. Parce qu'avant, au début d'Arte et de la 7, la culture, c'était relié à l'art et à la créativité. Puis éventuellement, là, la culture, c'est aussi de la politique, puis aussi de l'environnement. Voyez-vous, mais tant que c'est un film qui est bien construit, on reste quand même dans... Ça peut rentrer dans Arte. Ouais, mais dès le début, parce que c'est un projet... D'abord, c'est une construction politique. C'est vraiment la création de la chaîne répond à une politique culturelle. Oui. Encore mieux. Même déjà. Aujourd'hui, c'est mieux quand même que beaucoup, beaucoup d'autres chaînes de télé. Hein. Ouais, ça reste mieux, c'est clair. Puis bon, maintenant, l'horreur, c'était quand ils se sont mis à doubler les films. Ça, c'est au milieu des années 2000, là, c'était l'enfer, quoi. Maintenant, c'est plus le cas parce que avec la télévision numérique, on peut diffuser sur plusieurs canaux en même temps. Vous pouvez quand même consulter Arte en achetant je me suis offert ça récemment parce que ça commence à me manquer. On n'a pas le droit. Un VPN qui vous permet de visualiser Arte. Mais je vous dis, toi, Gaël vient de nous dire dans le chat que ce n'est pas accessible au Canada et qu'il n'y a rien qui fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et Emmanuel, tu vas dans le même sens qu'il faut un VPN, mais tu vois, j'ai cliqué sur le lien dans le chat. Moi, j'arrive à me connecter. Puis oui, j'ai tu peux, sur... mais... Oui, mais non, mais j'ai cliqué sur une vidéo, Culture et Pop, c'était Objectif Mode, le photographe FC Gunlac, puis ça fonctionne. Oui, mais ça dépend des programmes, en fait. Oui, c'est ça. Ah, voilà, c'est limité, là. Oui, c'est limité. La plupart, quand même, ne sont pas accessibles. Ça, je suis d'accord, mais il ne faut pas dire qu'au complet, c'est fermé. Alors, il y a quand même des choses qui sont accessibles. Mais c'est une chaîne formidable. Tout l'habillage était magnifique. Moi je rêvais d'Arte quand j'étais gamin. J'étais dans un truc... Il y a une histoire à faire des habillages d'Arte qui étaient mais divins, créés par il y a eu plusieurs époques avec des graphistes qui avaient travaillé. C'était une magie télévisuelle. Ouais. Mais Arte, c'est pas juste ça, c'est qu'ils ont permis à des réalisateurs, à des boîtes de prod spécialisées, de créer des films avec du financement. Et des films sur l'art, ça demande de l'argent parce qu'il y a énormément de droits de reproduction. En fait, les droits de reproduction, vous le savez, ils sont très, très chers. Donc, Arte a été un joueur clé, surtout dans un système de coproduction internationale qui a bien fonctionné dans les années, depuis la 7 jusqu'à la mi, jusqu'au début des années 2000. Donc, un film comme, peut-être pas ce film-là, ça, je ne sais pas, je pense qu'il s'autofinançait assez bien. Le Coupe Straub, lui, il est. Mais la plupart des films qu'on voit sur Arte, c'est le fruit de coproductions internationales, donc des budgets d'un million ou des choses comme ça, c'est possible. Ce qui est quand même extraordinaire pour des films sur l'art. Donc, puis aussi, Arte encourage des voix indépendantes dans un cadre Arte, de plus en plus, mais reste qu'ils ont la permission d'explorer des voix de création. Voilà, bon, ben écoutez. Est-ce que tu. Ouais.
Parce que du coup, ça a été diffusé où en premier? Ça a été diffusé, en fait, ça a été financé par la ZDF, la télévision allemande publique, et la RAI, parce qu'eux, ils ont vécu, en fait, ils vivaient à la fin de leur vie en Italie. Donc, la RAI, c'est la télévision publique italienne. Et c'était RAI 3, donc ça devait être une chaîne culturelle de la RAI, un truc comme ça. C'était une chaîne, oui, effectivement. Et puis, donc, ça a été diffusé en salle pour la première fois, ça, je ne pourrais pas dire où. Puis, bon, ça a été diffusé deux fois de suite. Ça a été très mal reçu. Et puis, mais après, bon, c'est sûr que ça a dû être diffusé sur Arte, mais en rediffusion. Je trouve ça quand même intéressant que les Allemands se soient intéressés. Ben, en fait, les Allemands ont toujours été très présents pour supporter le couple, justement, l'Estrade. Mais on trouverait que c'est plus français comme approche qu'une cinématographie allemande. Mais bon, on est dans le jugement un peu esthétique. Mais moi, pour avoir vu les deux types de productions, c'est clairement une pensée française, une approche française, si je peux dire. Voilà, c'était le Ciné-Club d'aujourd'hui. Super, merci. Je suis bien contente, Itaï, je t'ai un peu boxé là. Peut-être aujourd'hui, peut-être on peut évoquer le festival de films sur l'art. Oui, d'ailleurs, c'est la première ce soir. Si vous avez, je pense qu'on peut, on peut avoir des laissez-passer de toute façon. Donc, il y a un film qui s'appelle Beijing, je ne me rappelle plus, peut-être que je retrouve. Et puis la soirée d'ouverture. Et puis il y a aussi ils ont créé une plateforme digitale du FIFA à laquelle je me suis inscrite. Hein? Qui sera toute l'année en fait. Qui sera là toute l'année. Puis à la limite, ce que je dirais, c'est que ceux qui sont inscrits là, si vous voyez un film qui vous intéresse, dites-le moi. Et puis peut-être qu'on pourrait faire une discussion à partir d'un tel film. Je serais très très heureuse d'avoir aussi vos apports de ce côté-là. Il y a des choses que vous avez repérées qu'il fallait voir, Itaï. Je sais que Itaï, t'es... Il y a plus de 200 films, mais moi, je vais écrire aussi deux chroniques là-dessus, donc, ou trois. Ah oui, hein? Mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer ou... Ah, je ne saurais pas dire. On ne sait pas parce que la programmation n'est pas sortie. Elle est lancée ce soir. Non, elle est sortie. La liste de films, moi, j'ai tout regardé. Mais il y a plus de 200 films, c'est très difficile à dire à partir d'une description. J'ai fait une liste, mais presque tous les films, théoriquement, pourraient m'intéresser. Ouais. Et je n'ai rien vu qui m'a dit tout de suite que ça va être un chef-d'œuvre. Il faudra avoir le film, en fait, pour savoir. J'ai vu une liste pour l'architecture aussi, mais... Bah, il y a de tout. Il y a la peinture, la musique, l'architecture, la danse. Il y a des films plus... type Arte et des films plus expérimentaux, il y a vraiment de tout. Et toi, donc, tu vas écrire des textes sur... tu vas faire des critiques? Oui, plus ou moins, oui. Tu fais ça régulièrement, oui. Ben, je commence un peu, oui. voilà, donc je regarderai beaucoup de films, je pense, dans les jours qui viennent. Et j'espère que ça sera intéressant. Sûrement, sûrement. Est-ce qu'ils ont une section historique dans le festival? Qu'est-ce que ça veut dire, une section historique? Bah, où ils diffusent, ils reprojettent des films passés. Non. Ce serait bien, hein, peut-être, de leur proposer... Il y a la section expérimentale, enfin, vraiment de la vidéo expérimentale, qui est d'habitude très bonne, mais une section historique, je ne pense pas. Ça serait pas mal, je pense, de restituer un peu du fond historique avec une programmation thématique, des choses comme ça. Oui. Marie-Dille, tu peux préparer quelque chose pour l'année prochaine? Il y a des cartes blanches à quelques personnalités. J'imagine que là, il y a des films plus vieux. Oui. Mais en même temps, la programmation est vraiment tellement pléthorique que je vois mal comment ils pourraient faire rentrer encore plus. Bon, là, quand c'est en ligne et qu'on a un pass qui peut nous permettre de tout regarder, on est déjà... C'est déjà mieux, mais quand c'est en vrai, dans toutes les salles, ils ont eu des problèmes financiers aussi, la FIFA, donc le FIFA. Et donc, c'était difficile d'avoir une très grosse programmation ces dernières années. Puis, il y a une question de droit. Je dois c'est vrai que c'était très petit. La dernière fois que c'était en salle, c'était vraiment assez limité. Oui. Et bon, en même temps, on espère quand même que ça revienne en salle un jour. Et...
comme tout le reste. Comme tout le reste, oui. Ouais. Mais c'est ça, mais les vieux films, souvent, ils ne sont plus libres de droit. Ça, c'est l'autre affaire. Donc, on peut pas. C'est difficile de faire des programmations comme ça de vieux films. Il doit y avoir moyen, sinon on ne les voit jamais, donc il faut quand même qu'on les montre, ces films. Moi, je suis content d'avoir découvert ça. Donc, mes chers amis, on va arrêter ça. On va se retrouver dans un mois. Et là, on va changer complètement de registre. On va aller dans la télésérie avec Suzanne. On va aller voir du côté de la BBC. On va regarder un épisode de Ways of Seeing, qui est quand même de John Berger, que certains d'entre vous, je vois Maya qui dit oui, je vois Suzanne qui dit oh non, pas John Berger. Non, c'est très bien, parlant d'historique. Ben oui. Est-ce que vous connaissez Ways of Seeing? Qui ne connaît pas Ways of Seeing? Je connais le livre qui a été fait, je pense, à la base de la série. Oui. Après. Donc, je suis assez content de... Mais est-ce que vous avez visionné? Est-ce que vous avez déjà vu? Non, je suis des content. Des fois, on connaît, mais on n'a pas vu un peu, oui. C'est ça. Donc, je suis content de l'occasion. OK. Bon, ben, on va faire ça. Puis, on va regarder tout au moins le premier épisode, qui est 26 minutes, puis peut-être des extraits des autres épisodes pour le plaisir de voir des chemises des années 70. Voilà, c'est épique, c'est très épique, voilà. Alors, peut-être ça va inspirer certains à se faire couper, allonger les cheveux et tout. Alors, mais merci infiniment. Merci, Marie-Odile. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye. Bye.